Two climbers are stuck in the middle of a 1,000-meter-high cliff covered in ice. The rescuers will risk their lives trying to save them, but the operation to retrieve them will be extremely dangerous. On the other side of the range, a skier is stuck on a rocky outcropping above a 500-meter drop. The pilot has no time to lose. The rescuers race to save the young man's life. Ah oui, j'ai vu le mec en rouge là dans la barque. Moi, je vais essayer de me caler dans le couloir derrière lui, peut-être avec le pieu là. Lequel alors, couloir? Juste derrière là où il est venu. Là où il y a un peu plus de neige. Ouais. A group of skiers is stuck in the middle of the glacier of the Vallée Blanche at night. They're exhausted and starting to panic. The temperature is well below freezing. If they're not brought to safety soon, it will be a catastrophe. This morning at the Chamonix helicopter base, known as the drop zone, the rescuers are getting ready. The gendarmerie and the Sécurité Civile take turns transporting them to the Mont Blanc range. They use the same type of helicopters, only their different colors and names set them apart. Ici à Chamonix, c'est une semaine chacun sur le massif du Mont Blanc. Mais quand il y a une grosse opération qui demande du renfort, on travaille à deux machines, on se coordonne. The Sécurité Civile helicopter is called Dragon. The Gendarmerie helicopter is called Chukas. Tous les EC-145 sont basés en base montagne, au plus près des PGHM, de manière à ce que ces unités spécialisées dans le secours en montagne puissent intervenir très rapidement. Alternating each week between Chukas and Dragon makes it possible to carry out thorough maintenance on the two helicopters. Oui, allô. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour une demande de secours, pour une entorse au genou. Il y a une dame qui skiait bien et puis malheureusement, son genou s'est dérobé sur un virage. Ok, donc c'est itinéraire de Vallée Blanche. Oui, à la fin de la variante, sur un virage. Quelle altitude? Je suis à peu près à 3000. Et t'as un groupe de combien? On est 6 au total. Ok, ça marche. Merci. For this mission, the rescue gendarmes will be transported by the Sécurité Civile helicopter. Emilien and Sébastien are on call today. They're getting ready to pick up the injured skier in the Vallée Blanche. Emilien has only been with the Chamonix unit for 4 years. It's his first year leading rescue operations. Le PGHM, j'écoute. Oui, bonjour, c'est Marc au Grand Monté. Oui, Marc. Dis-moi, alors, on nous a prévenu pour un gars là, qui est sur le nevé suspendu en D16, ouais. Sur le plan de la Pendant. Ouais. Donc pour nous, il est inaccessible parce que le mec, il est descendu un escalier là, et puis il est vraiment dans les rochers. Ouais. Donc là, il faut que vous puissiez intervenir et le troyer. Bah écoute, je transmets à des aides parce qu'il partait pour la Vallée Blanche, mais on va les faire. D'accord, ouais, là. Okay. A second alert comes in at the same time. A decision has to be made quickly to prioritize the rescues. Donc on commence par les grands montées avec le mec emparé. Hein. Ouais, bah, je pense que c'est lui qui est dans la position la plus critique. Hein. On va passer à côté, après on va repérer où il est, je m'allège, je pars avec, avec un, je pense que c'est suffisant, hein, une culotte. Ah oui, ouais. On va regarder comment c'est, d'accord. The pilot, Richard, decides to give priority to the young skier stuck in the middle of a cliff. It really is a life or death situation. Bon,
camion au décollage de la maison des bois, je l'aide à emporter. The ski patrol guides Dragon to the location of the victim without a moment's delay. Ok, poursuite en guidage. Ah oui, j'ai visuel le mec en rouge là dans la barque. 13 heures. Ouais, ok, on a visuel sur un. The young man is stuck in the rocks above a 400 meter drop. If he falls, it will be fatal. They have to find a way to reach him fast. The rescuers, the winch operator, and the pilot are looking for the best possible solution. Je veux d'abord le montrer au secouriste, ouais, pour qu'il voit bien, qu'est-ce qui se passe. Ouais. Je fais un station à côté sans le souffler. Il y a une décision qui est commune sur le mode opératoire, hein, sur un secours. Est-ce qu'on pose, est-ce qu'on treuille, on fait une civière, pas de civière. Donc tout ce qui est technique, on en discute. Non, il n'a pas de radar. Et là, t'as pas grand-chose pour t'accrocher. Non, non, faudra que t'essaies de mettre dans le couloir, là. Hein, descendre. Moi, je vais essayer de me caler dans le couloir derrière lui, peut-être avec le pieu, là. Lequel, alors, couloir? Juste derrière lui. Là où il est venu. Là où il y a un peu plus de neige. Ouais. Comme ça, moi, après, je vais descendre sur lui et je vais l'équiper, mais je vais pas aller direct sur lui, parce que là, c'est trop exigu. Ouais. Bon, d'accord. Mais écoute, je vais m'alléger juste un poil plus bas. A rescuer must be winched to a position above the victim. That's a dangerous operation in this kind of terrain. The helicopter must lighten its load so it's at maximum power. C'est stable, ça peut y aller. Ça va. So Sebastian is let out farther down. Pareil décollage. Allez, va. Allez, derrière, tu te prépares. Par contre, je mets bien à la hauteur pour pas le souffler. Hein. Ouais, c'est parti. Et je serai mis bien. Ouais. The rescuer is going to be winched down from a great height, because if the helicopter gets too close, the rotor wash could make the skier fall. Et je l'envoie. D'accord. Ok, il est en descente. Allez, en avant pour 50, Richard. C'est parfait. Il y aura où, mais... 40, bien plus à droite. Et comme ça, top là, moi, t'es dans l'axe pour 30 mètres. Ok. 25. Ouais. 20. 18. 15. 12. 10. 8. Affilé chez gauche. 5. 4. Affilé chez gauche. 4. 3. 2. Dans l'axe 1, vertical. Ok. Donc, il arrive là où il m'avait demandé. D'accord. Bien comme ça. Je maintiens. Ok, ça souffle un peu. Tu peux monter tranquille. Ouais, tu peux toujours accrocher. Tu donnes du bourg, je monte tout doux. Voilà, ça souffle pas mal quand même encore. Ouais. Ok, pas de problème, on est bien comme ça. Tu donnes du bourg, tu peux monter. Va. Emilien can't secure himself near the victim. The snow isn't holding. He can't drive in a stake. Ouais, il a dû glisser. Le pieu est mort. Il y a quelque chose qui lui plaît pas. Non. Ok, je le remonte. Tu le remontes, on change. On va réfléchir un peu. C'était de la neige posée sur une dalle de rocher lisse. La neige n'avait aucune cohésion. Donc le pieu que j'ai enfoncé, si moi je tombais derrière une fois que je m'étais décroché de l'hélicoptère du treuil, il était sûr qu'il ne retenait pas ma chute. Alors c'est quoi qui va pas, Emilien? Ouais, c'est du complet sans cohésion et très peu de fond. Oui, ouais, je pense. Si tu peux me mettre plutôt sur le dessus, là où il y a plus de neige, à ce moment-là. Et regarde bien au-dessus. Ouais, regarde au-dessus, il y a un plat là. Ok, carrément à 30 ouais, mètres. Ouais, tu fais venir Seb avec son sac. Ok. Au moins avec ses 60 de cordes. Et on descendra du dessus, je pense que c'est mieux à faire. PGHM Chamonix, bonjour. A new call comes into the rescue unit. Two climbers have lost a vital piece of equipment. They're stuck in the middle of a 1,000 meter cliff face, completely covered in ice. They can neither keep climbing up nor go back down. Given the seriousness of the situation, the decision is made to bring the second helicopter into service. Christophe, whose father was also a rescue gendarme, will lead this new mission. This kind of situation has happened before. The gendarmes are specially trained to deal with them. But the weather can change quickly in the mountains and make it impossible to fly. If Chukas isn't able to get to the site, the situation could soon take a tragic turn.
After a quick search, the two climbers are spotted. This cliff is high and almost sheer, so the helicopter cannot possibly land. The only solution is to use the winch. Christophe will be dropped down, then bring up the climbers one at a time. The helicopter has to be positioned as high above the climbers as possible, using the entire length of the cable to make sure the blades do not touch the rock face. The winch cable is completely paid out. The rescuer is swinging 90 meters below the helicopter. That makes the approach extremely difficult for Christophe. The winch operator lowering the rescuer must remain completely focused. In addition to controlling this highly technical operation, he has to guide the pilot. At this distance, if the helicopter or cable moves by just a few centimeters, the end of the cable moves by several meters. Je monte un peu, hein? Oui. Ok, vous allez à midi maintenant? Et il faut combien de temps? Christophe is getting close to the climbers, but he can't reach them. Midi, 5 mètres, j'avance. Ouais. On fait, Dragon is making its second approach. The young man is still perched above the void. He could fall at any time. Emilia is going to be set down above the victim to try to set up a lifeline in case they fall during the rescue. That's a big risk on this kind of rocky outcropping. Okay, à droite pour Twitch et en avant pour eux. Okay, il me montre là. Okay, là on est bien. Allez, top l'avant, top l'arrière. Top l'avant, top la droite, pardon. Il récupère le crochet. Ok, il me le libère. Eh bien écoute, le crochet libre, on va y chercher Seb. D'accord. Emilia must find a layer of stable, hard-packed snow under the powder. He must drive in the main stake for the lifeline. Un sable de dragon. Prépare-toi à venir te chercher. Il te faut de la corde et un deuxième pieu. Sébastien is being picked up to help Emilia. Mais l'endroit de pose initial ne permettait pas à Emilien d'évoluer en toute sécurité dans ce couloir de neige. Donc on a pris l'option de se faire poser une trentaine de mètres au-dessus de la position du skieur, dans la grande pente de neige, de faire un amarrage. Je pense, vu qu'on en a pour un certain temps, tu peux envoyer les autres faire la vallée. Dragon is returning to the drop zone to organize the rescue of the injured woman in the Vallée Blanche, while Sébastien and Emilien set up a lifeline. Ah, Seb, t'as 60? T'as 50? On est à 50, là? The two rescuers are now safely positioned above the skier. But there's no time to waste. The young man could slip at any time. It would be a fatal fall. On the other side of the range, Chukas is still at work above the cliff. Quasiment plus mon fer. Christophe is still struggling to connect with the climbers. Ok, ça va. Allez, il n'a pas fini de sonder. Il est à 5 mètres du matin,
Fred, je suis là. Now that the first man is safely aboard the craft, Christophe will go back down to try to get the second one. Christophe is facing the same difficulties as the first time. Clipping the carabiner to the second climber's harness is no easy feat, but it's the only way to save the victim. The climber was successfully connected up. He's now being safely lifted aboard. He owes his life to the gendarmerie. Ok, la potence est rentrée. Le crochet est en haut. Dragon is back at the drop zone to pick up another rescue team. The injured skier in the Vallée Blanche is still waiting for rescue. Francis and Mathieu will carry out this operation. Francis knows every inch of the Vallée Blanche. He can picture the victim's exact location. The skier is with a group of tourists, accompanied by a mountain guide. The group can't move on until she's been rescued. That delay could soon be a problem. Descending the Vallée Blanche slope, accessible to all via the Aiguille du Midi cable car, takes the average skier almost all day. Pas beaucoup de bleu là-haut, hein? Non, mais même c'est tout blanc quand même. Ok, là, c'est quoi? C'est un groupe ça là-bas à droite ou des rochers? Alors, qu'est-ce qu'ils appellent le rognon là, les camarades? Est-ce que t'as à droite en haut? Et oui, oui. They have to locate the right group of skiers, which is a challenge in the vastness of the Vallée Blanche. Ah, ben non, à 11h. Ben, ils sont à 3000 années. Ah oui, je le vois. Il fait le Y. Comment tu vois les choses, Francis? Tu veux faire un treuillage? Moi, je me décroche pas, je le clip et je l'embarque. Ouais, un treuillage court. Évidemment. Allez, tu peux te préparer, Francis, je vois ma porte confirmée, bien attachée. Ok, Francis arrive à la porte. Je vais treuiller bien court, hein. Ouais, bien court, pas de soucis. Francis decides on short winching rather than landing. Since the skier is wearing a harness, it's the quickest and easiest way to get her aboard. Voilà, j'arrive pas loin. Ok. Allez, je le descends. Ouais. C'est parti. Allez, en avant pour vers Richard. Comme ça. Pendant les treuillages, le mécanicien il me guide parce que je ne vois pas ce qui se passe dessous. Donc il y a une réelle complicité. 15, 12, appuie léger droite, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vertical, bien comme ça. Ok, il a pris un peu la pente. Ok, il arrive sur la victime, il a cul. Ok, okay c'est bon. J'ai le signe, en montée. Ok, tu peux dégager à gauche, c'est bon pour moi. Donc c'est nous qui le guidons en essayant d'être le plus convivial possible, pour que ça se passe bien. On est là pour l'aider, on n'est pas là pour le stresser. Et il arrive mi-hauteur, 3 mètres patin. On est bien comme ça. C'est tout bon pour ok, moi. Ok, c'est bon pour moi. J'essaie de pas trop accélérer. Il arrive à la pompe et je lui donne la sécurisation. The winching operation is a complete success. The victim is secured. The guide is relieved and can continue the descent with the rest of his group. Ouais, bien joué Francis et Alex. Ouais, Drago, merci pour le secours. Eh ben, soyez prudents pour la redescente. Un cordial de Dragon en direct, on arrive sur Chamonix pour la dépose de notre victime à l'hôpital dans une minute. At the Grand Monte Resort, the ski patrol has received an alert. A young woman has had a bad fall on a ski run. Every day, 40 ski patrollers work to keep the Grand Monte ski resort safe. Pisteur, c'est le secours, c'est le déclenchement d'avalanche, c'est la préparation des pistes, c'est le contact avec le client. Et c'est vrai qu'il y a des dangers, mais bon, c'est le prix à payer.
moi je pense. C'est la vie en montagne. Willie and Christophe are in charge of this rescue. They're among the resort's most experienced patrollers, but they never know in what condition they'll find the victims. For now, they don't have a lot of details. They have to get to the location as quickly as possible. C'est tout type d'accident, hein. Ça va du traumatisme crânien, problème d'épaule, problème de bras, problème de jambes. Voilà, on peut rencontrer de tout. Oui. The victim is a young Turkish woman. She is in a lot of pain. The patrollers are afraid she's going to lose consciousness. They have to quickly splint her broken wrist. Given the pain the young skier is in, Christophe and Willie are afraid it's an open fracture. When treating victims, the first steps are crucial. They have to reassure and secure the victim without taking any risks. One wrong move could worsen the initial injury. The skier stranded on the rocky outcropping is about to lose hope when he sees Emilien above him. Now the first thing is to connect the young man to the lifeline. La neige a pas de collision. Alors, on va essayer de faire en sorte de pas trop te déstabiliser. Tiens, mets ton bras là-dedans. Alors, tu vois, il y a une sangle qui pend là. Là, on va la passer entre tes jambes. Va la chercher. This is the most critical moment because the skier has to slip on a harness and out of his skis while balancing on a tiny rocky outcropping 500 meters in the air. Ferme, vas-y, ferme. Ah, nickel. On y va y voir un peu plus clair. Tu vas virer tes skis. Ouais. Attends, je vais y aller. Relève-le un peu ton pied. Voilà. Voilà. T'es bien là? Bouge pas trop. The skier is secure and ready to be picked up by Dragon. Dragon, t'es bien en direct? Oui, je t'écoute. Je serai donc pour info, Ok, c'est parti. Ok. Gauche à la rampe. Gauche 18. Allez dans l'axe 15. 6, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Dans les mains de Emilien. Bien comme ça. Ok, ils s'accrochent. Donc ils sont toujours bâchés. D'accord. Toujours bien comme ça. J'attends le signe, je le signe. Le câble se tend. Ouais. Ok, tu peux monter et dégager. À gauche, c'est clair pour moi. La puissance, c'est bon. La puissance, c'est bon. Les câbles. Ils sont bien loin à 9h. Table. À 12 mètres matin. Il a les skis à la main ou au pied? Affirme à la main. Camille, il faudrait que tu recules maintenant. Il n'a pas de casque. Non. Ok, je vais sécuriser. Sur un petit point, c'est pas le même que tout à l'heure, mais il sera confort. On est en permanence obligé de s'adapter, parce qu'on a des grands schémas, des grands principes, on apprend des bases, mais un secours sera jamais le même. Et il faudra toujours trouver une solution pour faire au mieux. Donc il faut toujours s'adapter, faire le bon compromis entre les risques pris et l'évacuation de la victime. Now that the young skier is out of danger, Dragon can pick up the second rescuer, who stayed higher up to keep Emilien safe during the rescue. La puissance est okay. La puissance est correcte.
le soir, quand on rentre à la maison, on est content, quand on a fait une bonne nuit de secours, que toutes les histoires se sont bien terminées. On est content, on sait ce qu'on a fait et voilà, c'est, on porte assistance aux gens dans un cadre qu'on est, dans lequel on aime évoluer. Se mettre en danger pour d'autres, ben voilà, il faut, nous aussi on pratique la montagne et on sera, le jour où on a un souci, on sera bien content qu'il y ait des copains qui viennent nous chercher. Et... Je sécurise et je rentre. Ouais. Ouvre la porte. Ok, c'est bien comme ça, dans l'accès. Posé, c'est stable. On ira au pisteur que c'est terminé, comme ça. Okay. Ça va les rassurer. On peut décoller ? Allez, on y va. Ok, allez, décollage. Ben, finalement, il était indemne. On l'a reposé dans la combe de la pendant. Il a continué sa journée de ski avec une grosse frayeur, je pense. Willie and Christophe have brought the young injured woman to the Grand Monte ski resort. Christophe, Grand Monte, vous savez. Oui, du cordial, je te reçois à 5. Donc, en présence d'une jeune fille. De 23 ans, qui a chuté en surf sur la piste avec une assez forte cinétique. Je pense qu'elle a l'avant-bras fracturé, donc elle est consciente. Écoute, on a deux secours en cours, puis la garde au chaud et je te recontacte. Ouais, c'est bien reçu. Cordial de Choucard en direct. Cordial, écoute. Ouais, on a fait toute la com en direct, on a de quoi faire tout de suite. On va sur l'Oignon dans 3 minutes. Voilà, hélicoptère dans 3 minutes. Ouais, bien reçu. Okay, the doctor is coming. Okay. The Grand Monte Resort's many ski lift cables make it impossible to land. Chukas must land below the resort, a few hundred meters away. The patrollers come to get the doctor on a snowmobile to save time. Si quelqu'un a mal au poignet ou à la cheville, à plus que 5 ou 6 sur 10, ben, le fait de se déplacer va permettre une meilleure prise en charge de la personne parce qu'elle va être moins stressée, elle va avoir moins mal, ça va durer moins de temps, ça va être mieux pour tout le monde, pour les pisteurs, pour le patient, pour tout le monde. No, it's nothing, okay, you don't move. Francis was able to make a preliminary diagnosis. It is indeed a broken wrist. Now they have to take the victim to Salange Hospital for x-rays. She's definitely going to need an operation. The victim has already realized this and is wondering if she'll be able to ski again. It's closing time at the Grand Monte Resort. Christophe, the ski patroller, always enjoys this part of the day. On se réapproprie le domaine. The skiers are all gone. The patrollers can close the resort. It's also the best part of the job for them. The mountain is theirs. For the gendarmerie, however, the day is not over.
The Vallée Blanche has no closing time. There's been a new alert. The rescuers and the pilot are wondering if it isn't the same group of skiers for whom they came out this morning. These tourists are underprepared for this kind of athletic trekking. They should never have embarked on such an adventure. It is the same group as this morning. It's the second time the guide has had to call to save one of his clients. He still has to get the rest of the group down the valley before nightfall. Sur le lieu où ils étaient, dans la vallée blanche, c'est un milieu glaciaire. Il y avait quand même un bon vent, des températures basses. Des personnes qui sont épuisées dans ces conditions-là, leur état, même physique, de santé, peut dégénérer assez rapidement. You need to be in good physical condition to ski the length of the Vallée Blanche. All too often, tourists overestimate their stamina and skiing skills. They can often find themselves on their last legs in perilous conditions, endangering the rescuers who come to their aid. Bonjour. Oui, bonjour, c'est les pisteurs de l'Oignan. Oui, l'Oignan. On a un appel pour une personne qui serait bloquée techniquement, non blessée, dans le Pas de Chèvre. Dans le Pas de Chèvre, exactement. The Pas de Chèvre zone is very dangerous. There's a real risk of avalanche. They have to get there without delay. Luckily, Chukas, the second helicopter, is ready to go with its team. Jeannot and Massimo will be in charge of this rescue operation. Jeannot is the group's most experienced gendarme. He's been working in mountain rescue for 30 years. He knows the Pas de Chèvre zone like the back of his hand. He's concentrating on helping the pilot make his approach. Jeannot always bears in mind that this part of the range is extremely dangerous. Every year, far too many people are killed by rock falls here. They've spotted the skier. The pilot will offload the two rescuers, but it is a dangerous operation. They'll have to land one of the helicopter's skids on a small rock. The winchman guides the pilot, who's coming down blind. The rescuers have to get out and stabilize themselves on an extremely steep slope. Ouais, donc on a localisé la personne, apparemment pantalon rouge, veste noire. Le risque de la haute montagne en général, eh bien, les itinéraires ne sont pas tracés, on doit chercher son chemin. Où il y a une trace, il n'y a pas forcément le bon chemin. Ok, let's take skis off. Yes. Okay. We go back on walking. Yes. And after we take the helicopter. Okay, understand. Good. We've been skiing a bit off-piste already. Then it got steeper and I was getting more and more tired. And the guy who just passed me said that I might need ropes to go across, a crevasse. And so I started to get a bit worried by then.
Jeannot is going back to the same place where they got out. He knows that the helicopter can return to it. The rescuer always bears in mind the constraints the pilot will encounter. It's a team effort, and Jeannot's experience saves time, which maximizes their chances of success. The rescuers bring the tourist in without ever letting go of him. Any fall in this gully would be fatal. Once the victim and the rescuers are aboard, the pilot takes off without a second's delay. Mission perfectly accomplished. Chukas is heading back to the drop zone, where the victim will be taken care of. I was getting pretty scared by then, I've got to say, so I'm glad I'm down. Very glad. The day is coming to a close at the drop zone, another busy day. After having flown for more than 5 hours and burned more than 1,500 liters of kerosene, the men and machines of the gendarmerie can finally rest. At Grand Monte, the resort is now deserted. The snow groomers are out. The slopes here can have an incline as steep as 70 degrees, and each machine weighs 10 tons. They're equipped with safety cables, so drivers can work in security throughout the night. Ministre en montagne, bonjour. Oui, bonjour. J'ai été secouru plusieurs fois dans la journée, là. Oui, oui, vous êtes le guide... Ouais, c'est une catastrophe. Hein. Désolé. Il n'y a pas de souci, on se doutait, parce que quand ils ont vu l'état de vos clients... Et vous êtes combien? Il me reste 3 personnes, ouais. Je suis bientôt au moté, mais je suis à peu près à 1900. Tu veux qu'on vienne te chercher tout le monde? Je crois que sinon ça va être là, ils sont explosés. For the third time, Dragon has to rescue the same group of skiers in the Vallée Blanche. That's a first for the unit. This time, the mission is extremely urgent. There's no time to waste. Night has fallen, temperatures have plummeted. The skiers could soon die of exposure. Night flying is very dangerous in this environment. The cables and pylons of the ski lifts are a mortal hazard for helicopters. Fortunately, Richard knows the range by heart and has a new tool to make the task easier, night vision goggles. The team has spotted the guide and will attempt to set down, but the terrain seems too rough to land. A successful operation. The rescuers reach the guide a bit farther down and organize his client's rescue. Bon, c'est quoi cette galère? C'est une monstre galère. Ils sont en bas là, ils peuvent remonter ou pas ici? Si ça t'arrange, ouais. Ouais, ouais. Attends, on va voir. It's still the same group of tourists. The guide is exhausted after this long day during which everything went wrong. Ils sont où? Ouais, en dessous, là-bas. The terrain is very uneven, and the snow can conceal traps. The rescuers have a hard time advancing and fear they won't be able to bring the victims up. Alors, on va galérer pour remonter la queue. Et nous, on remonte
En attendant qu'ils redescendent à DZ. Parce que c'est 3 jours pour remonter, sinon ils ont des bonheurs. Ils ont des quoi? Ouais. Ouais, affirmatif. The skiers are wearing harnesses. They can be winched out. Vous touchez à rien. Ouais. Arrivé là-haut, il y a le mécanicien qui vous accroche. Vous essayez pas d'aller au fond. Il va tout décrocher. Il va vous faire signe de faire ça. Ça se fait. Voilà. Donc c'est bon pour le premier. Ouais, c'est ça, que vous inquiétez pas, on le fera. Bon pour le premier. Allez Richard, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, tu peux envoyer. The winchman Alexandre has had a long day. He has already done 12 winchings. At night, they require intense concentration. Landmarks are few and hard to see. It's a very difficult operation which requires nerves of steel. Okay. Okay, écoute, la première dégage, monte par là. Ouais, je monte, je pars vers le haut. Sécurité rotor, sécurité rack. Parfait, il arrive au niveau du patin. Oui. Bah écoute, moi je suis autonome, je pars dans la station, hein, j'ai un bon visuel de tout. Ok, c'est parfait. D'accord. Ok, je récupère la sécurisation. Ok, je remonte vers l'avant. Ok. Ok, j'ai sécurisé la personne, je vais la rentrer. D'accord. Bon, tout est correct. Je rentre la personne. Ok, elle est en sécurité dans le cargo. D'accord. Je vais la libérer du crochet. Ok, le crochet est libre. Je remonte à la potence. Je fais signe à la personne de se mettre au fond du cargo. D'accord. En sécurité. Il n'y a rien de plus satisfaisant que quand une personne arrive en sécurité dans le cargo, qu'on la décroche et qu'elle va se mettre au chaud au fond de l'appareil. On la voit avec ses yeux qui pétillent de bonheur et de réconfort. Et ça, c'est le plus grand des remerciements. Crochet à la potence. D'accord. Je rentre au bonbon, je t'éteins le phare. Ok. C'est vrai que quand on voit les gens à l'arrivée, après, ils sont un peu euphoriques parce qu'on les a tirés de leurs soucis. Donc, ils donnent une impression de facilité. On pourrait se dire pourquoi on est allé les chercher. Mais non, ça aurait pu dégénérer là-haut. C'est la dernière fois qu'on fait la vallée blanche déjà. Et puis voilà, parce qu'on a un peu galéré. Ben, on est tous rentrés en hélico. Hein. Les trois derniers, on est rentrés en hélico parce qu'on n'en pouvait plus. On n'aurait jamais pu arriver avant, avant la nuit en bas. Là, on vient de se faire héliporter. Donc on a été héliporté par la gendarmerie. On est dans la gendarmerie là. Sécurité civile. Sécurité civile, pas gendarmerie. Ils avaient marqué sécurité civile. Non, ils avaient marqué gendarmerie sur leur truc. C'est la sécurité civile. Ah, tu vois, le monsieur me parle. Ah. Il est bien de la sécurité civile. Merci. De rien. Vas-y, comment on doit aller dans ta fiche. Ah ouais. Bonne continuation. Bonne soirée. Merci bien. Voilà. 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 Au revoir. The first woman Francis rescued in the Vallée Blanche turned out to have a simple sprained knee. She should be on her skis again soon. The woman rescued by the patrollers does indeed have a broken wrist. She's going to need an operation. The young skier stuck on a rocky outcropping got away without a scratch, but with a major scare. His father knows he could have died without the rescuer's help. He made sure Emilien knew how very grateful he was. Merci. À votre santé, pas la nôtre. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, c'est super sympa. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais.